Allô? Allô? Y'a-t-il quelqu'un? Suis enfermé avec mon frère là, pis si c'est une joke, c'est vraiment pas drôle. Xavier, c'est qui ça? Une chance que vous êtes là parce que je commence à paniquer là. Là, tu vas fermer ton nastidiel, ok? Je sais pas si tu l'as vu, l'innocent, mais t'es dans une fucking cave. OK? Hey! Je te dis, là, même si t'essaies de te sauver, ça te servira fuck all, OK? Puis même si tu continues à faire du bruit, là, les deux seules personnes qui peuvent t'entendre, ça, c'est moi puis lui. Pis on en a crissement pas envie. Fait que là, tu vas me faire plaisir, là. Tu vas fermer ta calisse de gueule, OK? Tabarnak de petit crisse de fendette! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Xav, qu'est-ce qui se passe là? J'aime pas ça. Hey! Hey! Non, 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 non! Yo, non, non! Xav, là, oh, s'il te plaît, c'est pas drôle! Regarde, tu sais pas me faire chier, hein. C'est tout. Mais tu sais que j'aime pas ça, Xav! Xav, ouvre la porte, là, c'est pas drôle! Arrête de rire! Mais, ouvre, fais pas ça! Arrête de rire! S'il te plaît, ouvre! Tu sais que j'aime pas ça! Arrête d'enfermer! Oh, Xavier! Regarde-toi pleurer, chérie. Quelqu'un! On veut sortir d'ici! Je veux pas être banni ici! Je veux sortir! Un don pour attirer le troc, toi. À cause de toi, on aurait pu se faire tuer. Je m'excuse. Regarde, ça sert à rien de t'acharner sur cette porte-là, elle bougera pas.
est pogné ici. Pogné ici? Exemple, si tu me laisses, c'est pas le bon moment. C'est pas des jokes, Léo. Mais on va trouver un moyen de sortir. C'est quoi la dernière chose dont tu te souviens? Maman t'a engueulée. T'étais supposé de venir me chercher à l'école, mais t'es arrivé vers 7h. Parce que tu chillais avec tes chums. C'est la dernière chose que je me souviens. Je peux pas croire que la seule personne avec qui je peux me retrouver ici, c'est toi. J'ai pas moyen d'accéder au vice. Pourquoi un cadenas sur le frigo? Je sais pas. C'est quoi ça? T'es peut-être pas si inutile que ça, finalement. Aide-moi donc à trouver quelque chose d'utile au lieu de rester planté là. Xav, regarde ce que j'ai trouvé. Tu le prends pas? Non. Je te le laisse. Mais tantôt, t'as dit que t'avais faim. J'ai plus faim. Prends-le, toi, t'es en pleine croissance. Merci. Ça doit être la nuit. T'es-tu fatigué? Non. Toi? Ouais, moi non plus. Hey, mais on pourrait les utiliser pour sortir d'ici, non? Tu veux dire mettre le feu à la porte de plywood puis mourir brûlé puis intoxiqué par la fumée comme des caves? Je pense pas, non. Mais va donc coucher, là. Il est peut-être tard. Non, mais il est peut-être tôt aussi, là. Fais ce que je te dis, Léo. Sale.
pas le neuf, va pas le l'autre. Non, 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 tu toucheras pas, toi! Tu toucheras pas! Non! Tu toucheras pas, man! Non! Hey! Vous l'amèneriez dans le bord! Laissez vous faire! Non! 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 Vous allez faire quoi de lui, man? Il a 13 ans, tabarnak! Vous l'amenez où? Je pense que tu veux pas le savoir, mon chum. Bouffe! Sinon, c'est moi qui s'en viens pis je te le fais bouffer! Je sais pas si tu m'entends. En fait, je sais même pas si t'es en vie ou pas. Écoute, j'ai aucune idée pourquoi on est là tous les deux. J'ai aucune foutue idée pourquoi on se retrouve ici. Jamais j'aurais pensé ça de ma vie, mais je pense que ma seule volonté en ce moment, c'est de t'avoir à mes côtés. Allez, y'a quelqu'un? Inquiète-toi pas, mon grand, on s'en vient te chercher. Défoncez-moi cette porte-là. Le trafic d'organes a été démantelé ce samedi par la Sûreté du Québec. Le réseau serait en lien avec la disparition d'une quinzaine de jeunes, dont les deux frères Xavier et Léo Dumas, disparus depuis le début du mois.
La Sûreté du Québec affirme que les enfants étaient gardés en captivité dans des endroits isolés pendant plusieurs jours avant d'être expédiés à travers le monde dans des conteneurs trafiqués. Xavier Dumas est pour l'instant le seul à avoir été retrouvé. Son frère Léo reste, quant à lui, toujours disparu.